Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver pour un nouveau numéro de Donae, l'émission féminine qui donne la parole aux femmes, mais où les hommes sont également les bienvenus. Au sommaire aujourd'hui, notre invitée, elle est l'une des comédiennes insulaires préférées, l'une de nos comédiennes insulaires préférées. Elle est également chanteuse. À 16h, c'est Marie-Ange Geronimi. Elle nous emmènera à Mihome, le village de son enfance, l'un des fleurons des marines du Cap Corse. Et puis on repoussera les frontières de l'île un petit peu plus loin, à la rencontre de Pemba, jeune népalaise, première femme Sherpa à avoir gravi le mont Everest. Restez avec nous. Bonjour Marie-Ange. Bonjour Francesca. Alors vous savez que dans cette émission, on donne la parole aux femmes. On ne pouvait pas, bien entendu, faire Donae sans vous recevoir ici et que vous soyez avec nous aujourd'hui. On va essayer de vous connaître un petit peu plus à travers cette émission, de rentrer un petit peu plus dans votre intimité, inconnue bien entendu du grand public. Mmh. Alors quoi de mieux qu'une petite bio, ça vous dit? Ah ben on y va. Allez on y va, on regarde, une petite bio, on se retrouve juste après. Marie-Ange Geronimi naît le 18 juin 1959 à Bastia. Elle est la première d'une fratrie de 4 enfants et la fille de Pierrot, chef d'entreprise en travaux publics, et de Toussainte, mère au foyer. Elle passe une enfance heureuse, entourée de sa famille à Mihome, entre bains de mer l'été et jeux enfantins avec ses amis. C'est la liberté au village. Elle fréquente l'école primaire Charles-André et puis plus tard le collège de Montésor. À 17 ans, son bac en poche, elle part à Aix et obtient un BTS secrétariat, mais sans conviction, car son goût pour le théâtre la taraude. 2 ans passés sur le continent lui font très vite ressentir le manque de son île natale et elle rentre en Corse pour travailler avec son père. C'est le début du Reacuisto. Marie-Ange est très engagée. En 1980, elle se marie. De cette union naîtront 3 enfants. Alors femme au foyer, sa passion pour le théâtre grandissant, elle retrouve Pierre Fondacci et Jean-Baptiste Philippe en 1982, avec lesquels elle montera le groupe Dia de Oda. L'aventure durera 5 ans. En 1994, elle intègre la compagnie Uta Adriinu et un certain Daniel Parigi lui propose de jouer dans Istorti, où elle interprète des rôles variés. Sa carrière de comédienne est définitivement lancée. Viendront ensuite des séries TV comme Pastachou, Casalone, des pièces de théâtre comme Amore Amore, ou actuellement en tournée à Zerva, où elle interprète le rôle de Belladonna. C'est de l'émotion tout ça. Hein. Énormément d'émotion. C'est toute une vie qui a défilé un petit peu rapidement, mais en tout cas, on en a vu pas mal. Beaucoup de pages qui se sont tournées, hein, mais les livres ne sont pas encore fermés, je pense. Non, vous nous réservez encore bien émouvant. Des surprises. C'est émouvant. Marie-Ange, cette enfance choyée au sein de votre famille, c'est quelque chose qui vous a façonné. Hein, c'est ça qui vous donne, vous a donné cette joie de vivre, ce dynamisme. Je suppose qu'être l'aînée de 4 enfants, c'est une impulsion, hein, parce que de toute façon, on compte énormément les uns sur les autres. J'avais eu la chance d'avoir aussi des parents qui étaient à leur façon originaux, même si l'accent était énormément mis sur les études. Mais sinon, voilà, on avait... Maman était originale, papa aussi, à leur manière. Hein, mais voilà, c'était, il y avait une dynamique tout le temps. Et oui, ça a dû me façonner, bien sûr. Alors, pour avoir discuté un petit peu avec certains membres de votre famille, qui disent que vous êtes une vraie tioque, hein, vous produisiez, vous jouiez, vous étiez en train, vous faisiez la folle. Ce goût du théâtre, il vous a pas lâché, vous l'aviez depuis toute petite, déjà à l'école. Et puis, à 20 ans, lors de vos études à Aix, il y a un déclic, vous dites, non, c'est pas possible, je peux pas faire ça, j'ai envie de rentrer, j'ai envie de faire autre chose de ma vie. Ouais. On est en pleine période du réacouiche aussi. C'est ça qui vous a motivé? Qu'est-ce qui vous a donné vraiment envie de rentrer? Qu'est-ce qui m'a... L'envie de rentrer ne m'avait jamais quittée de toute façon. Je ne pense pas avoir envisagé de m'installer ailleurs qu'en Corse. Donc je suis rentrée, j'ai fait la connaissance de mon mari de suite, pratiquement de suite après. On s'est mariés en 80. J'ai eu beaucoup de vie dans une vie. Vous avez tout mélangé finalement. Mais non, j'ai fait les choses les unes après les autres. Vous vouliez des enfants, ça c'est, vous me l'avez dit. Je voulais aussi, des enfants, que j'ai absolument. Eu. J'ai été exploitante agricole. Ensuite, voilà, les choses se sont. Avant ça, le groupe Dia de Oda qui m'a amenée au théâtre, hein, de toute façon. Alors, le groupe Dia de Oda, c'est 1982. Vos amis Pierre Fondacci, Jean-Baptiste Philippe, ils étaient là. Ouais. Mais c'est vous Pierre donniez qui déjà. M'a... Oui, c'est Pierre. Vous donniez déjà des cours de théâtre, je crois. Et Pierre, il vous a finalement donné ce déclic, se dire, voilà, je me lance. Pierre, il est venu me chercher à la Foire du Niol pour me dire, viens, il faut que tu viennes chanter avec Jean-Baptiste et moi. Je vais venir chanter avec Jean-Baptiste et toi. Oui, il n'y a que toi qui peux le faire. Allez, de toute façon,
on y va. Il m'a présenté Jean-Baptiste, et voilà. Et là, ça a été, ça a commencé, cette aventure a démarré, a commencé. Et voilà, avec après, nous ont rejoint Pascal Parigi, voilà, nous ont rejoint tout. Quel souvenir vous en avez de cette période, Dia de Oda, le chant? Au milieu, il y avait aussi votre vie de famille, hein, donc c'était pas facile. Il y avait tout à gérer au milieu, c'était très très difficile, j'avais trois enfants. Quel souvenir? On était fous, hein. On était complètement fous, on avait peur de rien, on osait tout. Je crois qu'on a fait à l'époque la première émission parodique sur France 3. C'est quand même Zia de Oda qui l'a faite. C'est comme Zia de Oda, ils étaient là. Ouais. Alors un petit peu plus tard, que, ben, le théâtre va vous rattraper, et vraiment ça va être le début d'une carrière, ouais. Avec Daniel Parigi. Oui. Hein, et il vous dit, Daniel, ben, voilà ma cocotte, maintenant il va falloir que tu... Alors en fait, tu as du talent. J'ai amené Daniel Parigi aux ateliers du théâtrine. Une complicité est née, hein, entre Guy, Jo, Daniel, etc. Le projet des Stourtis s'est amorcé et Daniel m'a dit, bon, mais tu vas intégrer les Stourtis. Et voilà, et les choses se sont enchaînées. Hein, là, les choses se sont enchaînées, ensuite on connaît un petit peu la suite, hein, Pastachou, plein de rendez-vous. Il y a eu également de l'Enquête Corse, le cinéma, d'autres séries télévisées, Casalone, bien sûr. Un métier de comédien, quoi. Un métier de comédien qui n'arrête pas et qui vous prend au corps. C'est vraiment, vous vous sentez vraiment dans ce rôle, dans votre vie actuellement? Complètement. Ouais. Ah ben je pense que je ne pourrais pas faire autre chose. Et puis les enfants sont grands? Les enfants sont très grands. Je suis grand-mère actuellement. Trois petits-enfants. Et mes deux petites filles que j'adore. Mon petit-fils qui est ma vie. Et voilà. J'ai la chance d'être une jeune grand-mère. Vous avez réussi à tout concilier. En tout cas, ce n'est pas donné à toutes les femmes. Hein. C'est peut-être la difficulté. On va en parler un petit peu tout à l'heure. Non, ce n'est peut-être pas donné à tout le monde. Alors, il y a quelque chose de très important pour nous, insulaires. Hein, chaque Corse a son village. Vous, c'est Mi-Home. Vous avez passé votre enfance à Mi-Home avec Claudie, votre marraine, vos parents. Mais vos cousins, ma grand-mère. Tout le monde. Tout le monde. Tout le monde. Voilà. Mais... on va voir ce village, justement. Vous nous emmenez dans les ruelles de Mi-Home. On va redécouvrir. Et puis, on va vous découvrir dans votre village. C'est tout de suite. Mi-Home, ça représente en fait déjà le lieu où il y a encore toute ma famille paternelle par l'esprit. Parce que c'est là que j'ai grandi, c'est là que j'ai passé toutes mes vacances scolaires, mes grandes vacances, c'est là que j'ai appris à nager, c'est là que j'ai appris à marcher. Et en fait, Mi-Home, c'est ça que ça représente. C'est-à-dire un lien familial et un lien affectif tellement fort qu'il passe, je dirais, les barrières du temps. J'ai appris à nager avant de savoir marcher. J'avais 3 mois et ma mère me lâchait dans l'eau et je faisais déjà à l'époque, il y a quelques dizaines d'années de ça, les bébés nageurs, quoi. Donc voilà, je nageais là. C'est les rochers où j'ai appris à pêcher avec mon père. C'est une vie au bord de l'eau. On était là jusqu'à la tombée de la nuit et jusqu'au dernier jour des grandes vacances scolaires. Ça veut dire que le dernier plongeon qu'on faisait la veille de la rentrée, il avait une importance extraordinaire. Ça va, toi? On est à la fin du rouleau. Eh, mais tata, va, il reste encore des feuilles à dérouler. Va, il me fait qu'il est là. Et une pâche. Allez, ciao, tata. Ma fille, tu me fais une surprise. Ouais, ouais. Anniversaire, ma poupée. Merci. Hein. Allez, je vais te chercher quelque chose à boire parce qu'il fait chaud. Oui. Voilà. Tiens, ma chérie, tu dois avoir soif, mon petit valoureux. Tu veux autre chose? Non, ça va. Je vais chercher de la menthe. Tu veux? Très bien. Non, c'est très bien. Alors. Bon, dimanche, on est là, alors. On vit où, là? Hein? Comme d'hab, désolé jeune, comme d'hab. Bien sûr. Tu nous feras la salade de poulpe. Tu vas salade de poulpe. Dommage que j'ai plus celui qui s'était entouré dans ton bras, te rappelles? Quand j'étais petite. Oui, tu avais 4 ans. Ouais. Je t'avais descendu à la plage, tu m'as dit, maman, il y a un poulpe. Je dis, prends-le. Et tu sors avec le bras, avec le poulpe. J'étais tout petit, moi j'ai eu peur. Avec tout le monde dans l'eau. Oui. Ah, c'était une tchouka, hein.
Oh là là, c'était, c'est et ce sera, parce que je crois qu'elle ne changera pas. Hein. Mais moi aussi avec elle, j'ai des souvenirs extraordinaires. C'est ma vie, ça. Ma fille. S'il n'y avait plus Mi-Home aujourd'hui, il me manquerait une grosse, grosse part de ma vie, quoi, ça c'est sûr. Post-adolescente, j'ai été visiter le cimetière. C'est un petit cimetière marin. Et j'ai dit, mais en fait, si j'étais enterrée là, j'aurais pas peur de mourir. Bon, on va pas vous enterrer tout de suite quand même. Non. J'ai le temps, oui. Mais en tout cas, c'est très émouvant lorsqu'on voit ces images parce que c'est bien entendu un gros pan de votre vie qui défile. Ben oui. Malheureusement, il y a certaines personnes qui n'y sont plus, mais d'autres sont là, comme Claudie, votre marraine. Oui. Ce village vous a façonné, vous a construite, vous êtes imprégnée de Mi-Home et de ce que vous avez vécu là-bas, bien entendu. Ben oui, mais je pense comme toute personne peut être imprégnée parce qu'elle a vécu adolescente, enfant. Voilà, on se façonne avec nos expériences. Ce sont les gens qu'on a connus qui font ce qu'on est, qui font qu'on est ce qu'on est. Alors, quelque chose qui m'a frappé, qui nous a frappé dans le reportage, c'est que vous disiez, voilà, le dernier jour des vacances scolaires. Je crois qu'il y en a beaucoup qui vont se reconnaître. Ben oui, le dernier plongeon du dernier jour des vacances. Le dernier, c'était à 8 heures du soir, on venait nous chercher, on disait, allez, demain c'est la rentrée. Quel meilleur souvenir vous avez de cette période, de votre enfance au village? Mais si on veut choisir quelque chose. Si on va choisir, je pense que c'est les moments que je passais sous la treille, quand il y avait toujours mes grands-parents, ma grand-mère, donc ma tante aussi, et on cuisinait. Il y avait une table, mais je crois qu'elle faisait, je ne sais pas, 10 mètres de long, parce qu'il y avait toujours un monde de fou. Et je me rappelle de cette table couverte de raviolis. Ma grand-mère faisait les raviolis, les gnocchis, les... Et voilà. Ça, c'était des moments tout simples, mais passés en famille. Voilà. Ce rapport très fort à la grand-mère, ce lien familial qui passe des générations, ça, c'est quelque chose qui nous renvoie aussi à notre histoire à tous, en Corse. Mais c'est ça. C'est parce que je pense que j'ai eu la chance de connaître donc mes quatre grands-parents. Ils s'appelaient comment, rappelez-nous. Alors, de côté paternel, on avait Julie et Angiolo. Côté maternel, côté Louquette, il y avait mon grand-père Pascal, ma grand-mère Marie, qui est une maranique, parce que j'ai aussi des racines balanines. Mm-hmm. Oh, voilà. C'est bien, ça. Vous n'avez pas très lointaine, mais balanines, oui. Alors, il y a quelque chose que vous me disiez également hors caméra, que vous nous disiez, c'était que lorsque vous êtes ailleurs, que vous faites des tournées, vous êtes même sur le continent, à l'étranger, vous verriez une image de Mi-Home, de la mer, en gros plan, vous reconnaissez. Ah non, mais c'est simple, je vois une image des galets de Mi-Home, et je dis, mais là, c'est Mi-Home. C'est simple, moi, sur les réseaux sociaux, il y en a qui prennent les premiers jours de plage, des pieds, alors on voit des pieds, et des galets, j'ai dit, toi, tu étais à Mi-Home. Ah ouais, ouais. Il manque plus que les odeurs. Il manque les odeurs, mm-hmm. Les odeurs, c'est très important. Vous disiez dans le reportage, vous finirez à Mi-Home. Oui. Dans 40 ans. Hein. Oui, ou même 50. Oui, 50 ans, allez. Ça, c'est important également, ça vous rattache à vos racines, la boucle est bouclée, quoi. Ça s'est présenté à moi comme une évidence, mais c'est vrai. Je suis rentrée dans ce petit cimetière marin, là, et il y avait malheureusement des amis à moi qui n'ont pas eu la chance de vivre beaucoup plus. Il y avait ma famille, J'ai dit, mais voilà. Mais il y a une sérénité extraordinaire. Et puis c'est vrai que c'est quelque chose qui, comme vous le disiez, vous rassure. La mer, les odeurs, ça me rassure, oui. Ça, c'est toute la magie du village pour tout Corse qui se respecte et qui connaît tout ça. Alors, je le disais au début de cette émission, on va pousser les frontières de l'île. Alors ? On va voyager. Vous avez choisi de nous emmener au Népal. Oui. Voir, rencontrer Pemba, cette jeune femme Sherpa, dans un pays où les femmes ont une place un petit peu particulière et Une drôle de vie, des caprices, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Donc Pemba, elle a gravi le Népal, le Mont Everest, deux fois. On va la rencontrer, on se retrouve juste après. D'accord. On regarde Pemba. Lorsque je débarquais à Katmandou en 2003, j'ignorais que l'on y célébrait le 50e anniversaire de la première ascension du mont Everest par le Britannique Sir Edmund Hillary et le Sherpa Tenzing Norgay. Tout le Gotha des Himalayistes dont les récits avaient bercé mon enfance y était rassemblé. C'est parmi eux que je rencontrais leur sœur Pemba, un petit bout de femme remarquable,
la première femme Sherpa à avoir atteint, et par deux fois, le toit du monde, le sommet de l'Everest. Je suis de Namche Baza. C'est le village qui se trouve sur la route du mont Everest. Et toutes les expéditions qui vont au camp de base passent par ici. Quand j'étais enfant, je voyais beaucoup de gens qui passaient par là, d'Europe, d'Amérique, du monde entier, venir pour escalader des montagnes de plus en plus hautes. Je me suis dit, un jour, moi aussi je grimperai au-delà des 8000 mètres. Finalement, en 1999, un ami à moi, guide suisse, qui avait l'habitude de venir escalader ici tous les ans, m'a dit qu'il planifiait une ascension de l'Everest l'année suivante. Je lui ai demandé si je pouvais me joindre à son expédition. Il savait déjà que je ne pouvais pas payer autant d'argent que les Européens. Il a dit « Ok, ça marche ». À 10 heures, c'est comme ça. À 10 heures, c'est tout bouché. Non, l'Everest, on voit mieux maintenant. Quand j'ai enfin atteint le sommet, là c'était bien, c'était magnifique, c'était mon rêve. J'ai pensé à remercier mon grand-père, à remercier Shomolunga. Le nom bouddhiste pour l'Everest c'est Shomolunga, et en népalais on dit Sagarmatha. Puis, j'ai rencontré quelques problèmes. J'ai brutalement fait une chute de 10 mètres. Alors j'ai pensé, c'est la fin de ma vie. Je n'avais pas peur, mais c'était terminé pour moi. Et à ce moment-là, j'ai vu une corde bleue à laquelle je me suis vite agrippée. Et j'ai vu juste derrière moi un guide népalais de Muraling avec un grimpeur japonais qui me suivait de près. Ils m'ont aidé à m'en sortir en me tirant de là. J'ai sauvé ma vie. Elle a sauvé sa vie. Hein, elle a sauvé sa Pemba. Vie. Alors Pemba, c'est un portrait magnifique. On remercie d'ailleurs Titouan Lamazou pour nous offrir ces portraits toujours extraordinaires de femmes du monde. Elle a sauvé sa vie à ce moment-là, mais si l'on parle de la condition féminine au Népal, et puis on est aussi un petit peu là pour ça, pour faire ce parallèle entre nous ici, ce qu'on vit, et puis ces femmes d'ailleurs qui vivent des aventures différentes. C'est pas facile dans un pays où 25% de la population est en dessous du seuil de pauvreté, et où les femmes notamment ont toujours besoin pour être citoyennes d'avoir l'assentiment de leur père, de leur frère, de leur mari. Qu'est-ce que ça vous inspire, tout ça? Bon, alors déjà, faire un parallèle entre nous, ce qu'on vit, et eux et elles, et leurs conditions, c'est... Je pense qu'on ne peut pas comparer deux choses qui sont culturellement déjà différentes. Mais par contre, elles ont une condition de vie extrêmement difficile. Déjà, par l'environnement. Culturellement aussi... c'est vrai que, par exemple, lorsqu'il y a eu le tremblement de terre en 2016, les femmes ne sont pas autorisées à porter secours. Genre, ça va quand même jusque-là. Mais elles ont quand même réussi à bouleverser un petit peu tous ces codes, et maintenant, ça avance. Pas aussi vite qu'elles le voudraient, mais ça avance. C'est vrai qu'entre ce tremblement de terre qui a été en 2015-2016 et puis la guerre civile qui a frappé le Népal de 2010 à 2015, il y a eu beaucoup de bouleversements sociétaux qui ont fait que les femmes en ont principalement subi les conséquences, notamment le développement du trafic d'organes, de la prostitution, etc. On ne va pas faire pleurer dans les chaumières. Non, en tout cas, c'est un fait. C'est un fait qui existe, et il y a beaucoup de travail à faire. Il y a des associations et des ONG qui se mobilisent. Elles ont beaucoup de boulot, mais je crois qu'il y a aussi beaucoup de la gente masculine se mobilise pour faire évoluer les choses, puisqu'on a tous, elles sont tous, après, elles ont tous après, des pères, les, des frères, les, des fils. Hein. Je pense aussi que les mentalités évoluent aussi côté masculin.
C'est beaucoup J'espère. La misère qui a lié ce genre de comportement. Et c'est quand même des gens, je vous les regardez, ils sont tout le temps en train de... Ça m'a toujours fascinée. Ils sont tout le temps en train de sourire. C'est vrai. Ils ont ce côté un peu... Cette philosophie de De philosophie de vie. Qu'est-ce qui vous a plu chez Pemba, justement, lorsque vous la voyez et qu'elle nous dit, moi, j'ai eu cette chance de monter sur le toit du monde. Ouais. C'est un homme, finalement, qui lui a permis qui de faire ça. Qui lui a permis de faire ça. Alors, c'est vrai que c'est une Sherpa. Donc, c'est un peuple qui est... Mais ce qui m'a quand même surprise, c'est qu'elle dise, je voulais monter au-dessus des 8000 mètres. Ça veut dire qu'en dessous, elle l'a fait plusieurs fois. Et comme vous avez vu, moi, c'est vrai que la montagne, c'est un univers qui m'est étranger, puisque je suis quelqu'un du bord de mer. Mais je suis en admiration devant ces gens, et c'est pas mon cas, hein, mais devant ces gens qui sont là, qui disent... Il y a une montagne, on va monter dessus. Je vais dépasser mes limites. Alors, pour les téléspectateurs qui nous regardent, il faut dire que le mont Everest, c'est du nom de George Everest, le géomètre qui a quadrillé à l'époque, dans les années 1850, l'Inde et toute cette région. Le mont Everest, pour les Népalais, s'appelle Chomolunga. Et Sagarmatha, ça veut dire la déesse des vents. Ah ben, ouais. C'est marrant, ça. Très beau, en tout cas. Ça doit souffler, quand même. Ça doit souffler, parce que le mont Everest, il est à 8848 mètres. Je pense que ça doit souffler. 8848 mètres. Je voulais évoquer aussi avec vous quelque chose. On a été un petit peu choqués récemment d'entendre l'actualité qui nous dit, c'est le toit du monde est le plus gros dépotoir montagneux de la Alors Terre. Alors ça, c'est quelque c'est chose... Terrible. On regarde les images, affreux. Ouais. Voilà ce que laissent derrière eux, les touristes. Le tourisme de masse. Non, mais attendez, les alpinistes sont pas derrière non plus. Hein. Les alpinistes ne sont pas derrière. Regardez non plus. Les camps de base, ce sont des dépotoirs à ciel ouvert. Alors c'est très dommage. On espère que ça va s'arranger. Une loi vient de sortir, notamment au Népal, où on donne une caution de 4000 euros. Toute personne qui monte sur le mont Everest donne une caution, verse une caution de 4000 euros, qui ne lui sera rendue que s'il descend 8 kilos de déchets à chaque fois. Voilà. Bon, mais après, c'est vrai que je lisais aussi, il n'y a pas très longtemps, un reportage où la route, elle est aussi quand même jalonnée, je dirais, de cadavres, hein, de gens qui ont laissé la vie en vivant leur passion, parce qu'on ne peut plus les sortir de la route. Voilà, c'est un monde qui m'est étranger, mais c'est un monde qui me fascine. En tout cas, peut-être que ça vous donnera un jour envie de crapahuter jusqu'en non, je haut. Pense non, pas. Jamais, Marie-Ange. D'accord, bye-bye. Elle est la mère et Miomo. Et la mère. On va retourner un petit peu à Miomo, parce que dans cette émission, vous savez, il y a un rendez-vous incontournable. C'est Marcel Conrad que vous avez choisi comme femme du jour. Ouais. C'est une femme qui vous a inspirée. Oui. Elle est de Miomo, Marcel Conrad, en non, plus. Non, elle n'est pas de Miomo. Elle a vécu à Miomo. Voilà, elle est enterrée à Miomo. Pourquoi vous avez choisi de nous parler de Marcel? Elle m'a toujours fascinée, cette très respectueuse, cette petite bonne femme. Son amour déjà pour la botanique. Elle a recensé plusieurs centaines de plantes endémiques. Elle en a fait des croquis, des dessins magnifiques. Elle a fait des herbiers magnifiques. À peu près 600 planches. Elle est connue de façon internationale. Elle avait la passion à plus de 80 ans. Elle montait, alors elle, pas à 8000, mais elle montait à 1200, 1300. Avec son sac de couchage, elle bivouaquait pour juste surveiller l'éclosion d'une fleur. Parce que c'est une passionnée, parce qu'elle a su transmettre cette passion. Et parce que je pense que nos plantes endémiques, et les plantes en général, je veux dire, le pouvoir des plantes sur la guérison, le pouvoir des plantes sur la... Je veux dire, aujourd'hui, il est plus que reconnu. Et grâce à des personnes comme ça, on apprend aussi à prendre conscience que la nature, elle a des ressources inespérées. La nature, elle a des ressources inespérées. On faisait de la soupe corse, on mettait de la année, bida. Et puis on se soignait. On se soignait avec. On se soignait, mais toutes les plantes, de toute façon, sont comestibles. Vous qui avez été aussi agricultrice, le fromage, on mettait de l'élébor dessus pour pas que les mouches les versent. Oui, c'est ça. Bon. Marie-Ange, cette émission est toujours trop courte, malheureusement. Mais non, mais on vient de commencer. C'est presque fini. On va parler un peu de votre actualité. Ah alors, bon. Cette année 2018-2019,
il y a quelque chose, Eugène Labiche, dramaturge du 19e siècle, présent dans votre vie à travers Azerve. Azerve, voilà, adaptation, adaptation de Labiche par Guichemine et jouée par le théâtrine. Voilà. C'est un vaudeville extraordinaire. C'est magnifique. C'est inspiré d'Edgar et Sabonne, d'Eugène Labiche. Voilà, on rigole. C'est une des plus belles pièces. Venez, courez la voir parce que... Et puis également, toujours, Die an der Oder. Qui est une petite radicelle, je dirais. C'est un hommage, en fait. Hein, c'est, le nom est un hommage à... est un hommage à Tia de Oda, parce qu'on avait repris aussi quelques chansons de Tia de Oda sur la mode blues. On viendra vous écouter, Marie-Ange, en tout cas. On viendra vous écouter, vous voir au théâtre. Merci, merci d'être resté avec nous. Merci, c'est très court. Et c'est très court, mais vous allez voir. Écoutez, peut-être qu'il y aura un autre moment avec nous, une prochaine fois. On vous suit en tout cas au théâtre et en chanson. D'accord. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe de France 3 Corse, les techniciens qui sont avec nous aujourd'hui, d'avoir produit cette émission. Et moi, je vous dis à la prochaine fois. Thank you.